Bonjour. Aujourd'hui, on va voir une leçon de conjugaison. Les verbes usuels au futur de l'indicatif. Dimanche prochain, nous ferons une promenade à la forêt. On choisira une place sécurisée. On la gardera propre. On n'arrachera ni plantes ni fleurs. On respectera la nature. Le texte. Dimanche prochain, nous ferons une promenade à la forêt. On choisira une place sécurisée. On la gardera propre. On n'arrachera ni plantes ni fleurs. On respectera la nature. Quand les enfants feront la promenade? Réponse: dimanche prochain. C'est un indicateur de temps du futur. Relevons maintenant tous les verbes du texte. Feront, choisira, gardera, arrachera, respectera. Dans quel temps sont conjugués ces verbes? La réponse: au futur. Quel est l'infinitif de chaque verbe du texte? Feront, c'est le verbe faire. Choisira, c'est le verbe choisir. Gardera, c'est le verbe garder. Arrachera, c'est le verbe arracher. Respectera, c'est le verbe respecter. Pourquoi on utilise le futur? On utilise le futur de l'indicatif pour exprimer une action à venir, ça veut dire prochainement. Pour former le futur des verbes du premier et deuxième groupe, on ajoute à l'infinitif des verbes les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Exemple. Le verbe respecter, un verbe du premier groupe. Je respecterai. Tu respecteras. Il ou bien elle respectera. Nous respecterons. Vous respecterez, ils ou bien elles respecteront. Le verbe choisir, un verbe de deuxième groupe. Je choisirai, tu choisiras, il ou bien elle choisira, nous choisirons, vous choisirez, ils ou bien elles choisiront. Pour former le futur de certains verbes de troisième groupe qui se terminent par « e », on supprime le « e »
et on ajoute les terminaisons AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Exemple. Le verbe prendre, un verbe de troisième groupe qui se termine par RE. Je prendrai, tu prendras, il ou bien elle prendra, nous prendrons, vous prendrez, ils ou bien elles prendront. Le verbe dire, un verbe de troisième groupe. Je dirai, tu diras, il ou bien elle dira, nous dirons, vous direz, ils ou bien elles diront. Les irréguliers du futur. Certains verbes ont un radical irrégulier au futur, mais les terminaisons restent les mêmes. Exemple. Le verbe être. Je serai, tu seras, il ou bien elle sera, nous serons, vous serez, ils ou bien elles seront. Le verbe avoir. J'aurai, tu auras, il ou bien elle aura, nous aurons, vous aurez, ils ou bien elles auront. Le verbe aller. J'irai, tu iras, il ou bien elle ira, nous irons, vous irez, ils ou bien elles iront. Le verbe faire. Je ferai, tu feras, il ou bien elle fera, nous ferons, vous ferez, ils ou bien elles feront. Le verbe venir. Je viendrai, tu viendras, il ou bien elle viendra, nous viendrons, vous viendrez, ils ou bien elles viendront. Je retiens. Le futur de l'indicatif est utilisé pour exprimer une action qui se déroulera plus tard. Les verbes du premier et deuxième groupe au futur égale verbe à l'infinitif plus terminaison AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Certains verbes du troisième groupe qui se terminent par RE au futur égale verbe à l'infinitif sans E plus terminaison AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. D'autres verbes ont un radical irrégulier à apprendre. À bientôt.